parce que ma caméra elle était déchargée, donc je venais d'enlever les pommes de terre et les œufs. Là je veux devoir pouvoir enlever la peau des pommes de terre, les pulcher, les effets bouillir. Et donc me laisser éplucher. Et puis tout à l'heure, Camille, là j'ai mon plateau, j'ai mes laitues, je vais pouvoir les placer. Nous sommes toujours dans notre recette. Hein. Viande hachée farcie à la salade. Et vous me laissez finir placer. Et à tout à l'heure. Là, nous avons placé nos laitues. Voilà. On va placer la tomate. Voilà, je fais comme ça, placer la tomate, on va placer. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, un trou au milieu. Vous n'êtes pas obligé. Et là, on va mettre. Et là, on va mettre les concombres, on met le concombre au milieu. Voilà, elle est là. Voilà. C'est bon. Nous avons les pommes de terre. Les pommes de terre que nous allons écraser. J'ai mon fouet, mais je n'ai pas envie de le prendre le fouet aussi. Il fait très chaud.
je vais devoir mélanger. J'ai mélangé les pommes de terre. Et là, on va passer aux bonnes choses. Là, on va prendre le papier puissant. Mon plateau, il est propre. Je peux mettre le papier glissant. Tellement que je dois couper. Je trouve aussi ça déborde trop que je coupe. Voilà. J'ai plus le temps. J'ai plus assez de temps. Parce que c'est une commande qu'on m'a demandé. De faire et plus assez de temps. Voilà. Voilà, donc là on va mettre un peu d'huile. J'ai mis de l'huile. Et là, nous allons former des boulettes. Vous pouvez mettre aussi je mets la farine. De blé. Comme j'avais déjà mis les œufs, là je vais allumer le four comme ça que le four soit déjà chaud. Le four il est propre, il est chaud. Donc on met la farine. Nous allons mettre ça au four.
fasse manger avec la salade. J'ai une commande. Les œufs, j'ai mis entre temps mon four il est chaud. Voilà. Voilà. On a fait deux qualités. Une, j'ai fait sans œuf. Pardon, ceci. Voilà. Une qualité, on a mis l'œuf, une qualité, juste les pommes de terre, mais sans œuf. Je vais rajouter la farine. Tenir ça avec la farine, sinon si vous ne mettez pas la farine ou bien le chapelure, si vous ne les mettez pas, moi j'ai pas de chapelure, mais j'avais la farine, je mets la farine. Voilà. Si vous ne mettez pas ça, ça va coller, vous voyez, ça colle sur mes mains, ça colle. Donc il faut mettre la farine pour que ça ne colle pas et rajouter parce que ça se fait voir. Et à tout à l'heure. Bon, nous avons fait la salade. C'est le reste de la tomate. Et mes pommes de terre. Je vais les couper, les mettre à côté parce que demain, je vais les manger. C'est comme ça que vous pouvez conserver. Voilà, c'est la semaine de la salade. Et là, on va mettre, regardez, nous allons mettre
voyais juste lui, voyez, regardez. La sauce vinaigrette en bas, lui il est en haut. Pour pouvoir mettre ça sur la viande hachée, les boulettes que j'ai fait moi-même. Du coup, ça ne crame pas. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs que chez Eve Traiteur. Contactez-moi, vous ne serez pas dessus. Et là, mon four, il est prêt. Je vais devoir mettre. Là, je mets. Vous voyez? Et on en a pour 15 minutes. 15 minutes. Là, je continue à couper. Je continue à couper. Voilà. Je continue à couper. Voilà. À côté. À côté, je veux mettre. Voilà. Ma sauce. Je remets un peu. Vous voyez? Demain, à manger avec les brochettes ou du poisson. Tac. Et là, nous allons mettre la sauce vinaigrette. Et on va attendre. Voilà. Vous voyez, on a mis la sauce vinaigrette. Après, si c'est pas suffisant, ils peuvent ajouter les invités, les amis, la famille, les enfants, le mari. Si vous êtes seul, alors faites pour vous-même. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Voilà. Elle est là. Et là, c'est pour demain. Je vais la mettre au frais. Là, je veux mettre au frais. Je la mets là. Ou là. Pour demain, et elle est belle la vie. Présentation tout à l'heure. Votre boulette est prête. Regardez, on attend au moins 7 minutes et on va enlever. Et entre temps, ça va être accompagné de nos fruits. Ici, c'est là où c'est mon panier à fruits, là où je mets mes fruits. J'ai le melon et l'ananas. Mais entre-temps, il me restait les carottes râpées. Je vais vous montrer comment vous pouvez garder. Mettre dans une poche de congélation. Bête que je suis, excusez-moi. Il faut d'abord mettre. Bon, je veux changer. Vous mettre d'abord garder. Le sopalin en bas, vous pouvez le garder au frais jusqu'à une semaine sans congeler. Vous avez vu, j'ai mis faites comme ça,
vous mettez ça en haut. Vous avez vu? Et on va mettre ça. Vous pouvez le garder comme ça une semaine au réfrigérateur sans se gaspiller. J'ai pas mis la sauce vinaigrette, j'ai pas mis de vinaigre, j'ai pas mis quelque chose, ni sel, ni quoi. Vous pouvez garder comme ça une semaine. Regardez. Vous pouvez le garder pendant une semaine au frais. Et moi, c'est comme ça que je garde. Comme ça. Et là, il me restait des laitues. Je ferai pareil. Non, c'est ça. Poche de congélation. Sac hein, de congélation. On dit poche parce que bon, c'est ça. Je veux faire pareil. Mettre dedans. Maintenant là, comme il y a de l'eau, je vais devoir mettre d'abord comme ça. Vous voyez, pour aspirer un peu de l'eau. Vous voyez? Et là, je mets à l'intérieur. Je mets là. Je mets ici. Je prends le reste, je fais ça. J'aspire en appuyant. Vous voyez comment il est mouillé, il y a de l'eau. Quand il y a beaucoup d'eau, c'est là où ça se gaspille. Ça se moisit, il y a la moisissure dessus. Mais quand vous faites ça, vous prenez le sopalin, vous mettez en haut du sac de congélation, dedans, vous fermez comme ça. Et vous pouvez garder comme ça au réfrigérateur ou au congélateur comme vous voulez. Pour moi, je garde au réfrigérateur. Regardez. Au réfrigérateur. Voilà. Je mets ça ici. Et je les garde pendant une semaine. Quand je voudrais manger la salade, je mets. Là, on va devoir arranger notre salade de fruits. Là, j'ai l'ananas. J'ai mon melon. J'ai le citron. Voilà. Voilà. Commence à éplucher l'ananas. C'est ça le dessert qui va accompagner notre boulette hachée à la salade. Notre boulette farcie. Nous allons couper ça en dés. Voilà.
tellement les fruits. Et l'ananas, je l'ai acheté chez Auchan à 90 centimes. J'adore l'ananas, j'adore les fruits, vraiment pas possible. Si vous m'invitez chez vous, il faut qu'il y ait les fruits, sinon je ne viens pas. Et là, voilà, on va devoir enlever ces pépins. Et ça va accompagner notre boulette de farci. Tac, tac. Bon, on va nous revoir à la fin tout à l'heure. Laissez-moi finir de couper. Et oui, les amis, c'est prêt. Voilà. On est là. Voilà. C'est propre, hein? Ça aussi, c'est propre. Mon Dieu, que j'ai mis, nous allons devoir enlever. Voilà. Voilà. Nous allons déposer là. On n'a pas le choix, hein. On va tricher. Voilà. On n'a pas le choix, on va tricher. Voilà. Et là, c'est son œuf. On va mettre là, tout autour. On va mettre là, tout autour. Son œuf, c'est chaud. Voilà. Et le reste, c'est ma commande parce que quand je fais, et j'en profite aussi de faire le mien, c'est ça. Voilà. C'est ça. Nous allons faire ça. Ça. Voilà. Et le reste là, on jette pas. On rassemble. On met là. On rassemble. On met ici, on rassemble, on met là, on rassemble, on met là, et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ta belle la vie là, on rassemble et hop. On rassemble et hop. Voilà. On a mis les boulettes. Il y avait d'autres où il n'y avait pas des œufs. Hein? Donc, on va faire comme ça. On va mettre là. Voilà. 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 Nous
allons mettre les boulettes. On continue. On met les boulettes. Voilà, c'est bon. Et là, on va devoir couper le citron. Je vous avais dit que j'avais ma salade de fruits. J'ai le citron, ananas et melon. J'ai mis un demi citron. Et je vais mettre du sel. Je mets un peu de sel, voilà, sucré salé, voilà. Bon, pensez à liker, à partager la vidéo, liker, partager, commenter, laissez ça. Le boulot que Eve Prétor a fait. Pensez à liker. Ça, c'est la salade qui va accompagner. C'est ça. Et pensez à liker, partager. Je vais manger ça avec du pain. Du pain. Pensez à liker. Du riz. Couscous, comme vous voulez. Vu que c'est la viande, il y a la salade. Et merci beaucoup pour ceux qui commentent, qui likent, partagent. Je vous aime beaucoup. Je suis tellement épuisée, il fait chaud. J'arrive pas à parler. Merci beaucoup, je vous aime. Bisous.